Une affiche que le prince Albert II de Monaco et Camille Gottlieb n'auraient ratée pour rien au monde. Ce lundi 23 janvier, le souverain et sa nièce adorée ont assisté à la troisième édition de la Fight at the Cup, l'association présidée par la princesse Stéphanie de Monaco. Pour ce match de football caritatif, l'équipe des Barbadjouans défendue par le mari de Charlène affrontait celle du Cirque FC, soutenue par la jeune femme de 24 ans. Bien que tous deux en compétition, le prince Albert et Camille Gottlieb ont une fois de plus affiché leur belle complicité. Le duo est arrivé bras dessous sur la pelouse du stade Louis II à Monaco. Et avant de prendre place dans les tribunes, l'oncle et la nièce ont démontré l'étendue de leur talent footballistique. Après avoir échangé quelques passes, le fils du roi Régnier II et Camille ont donné le coup d'envoi de cette rencontre. Et la passion pour le ballon rond est une affaire de famille chez les Grimaldi. Une fois le coup de sifflet donné, un autre membre de la famille princière s'est démarqué lors de ce match. Capitaine des Barbadjouans, Louis Ducru a été déterminé à remporter la victoire aux côtés de ses coéquipiers Didier Deschamps, Ludovic Dioli, Thibaut Inshape ou encore Charles Leclerc. Un esprit d'équipe et une combativité qui ont porté leurs fruits. À la fin des 90 minutes de jeu, l'équipe du futur papa s'est imposée face à celle du Cirque FC portée par Clarence Seedorf, Robert Pierre et Luigi Di Biagio. Une victoire 3-2 qui a été chaleureusement applaudie dans les gradins par Albert de Monaco, Camille Gottlieb et même Raphaël, le fils de Charlotte Casiraghi-Ega d'Elmaleh. Fair play malgré la défaite de ses joueurs, la fille de Stéphanie de Monaco a félicité son demi-frère d'un tendre baiser. Après ce tendre moment de complicité avec sa petite sœur, Louis Ducruet a reçu le trophée tant espéré des mains royales de son oncle Albert. Supérieur à supérieur à Albert de Monaco et Camille Gottlieb, premier supporter de Louis Ducruet pour un match de football caritatif. Camille Gottlieb et Marie Ducruet très chic sur le tapis rouge à l'issue de ce match. La famille princière a quitté le stade Louis II pour se rendre à l'hôtel Fairmont. Et pour cette soirée de gala, tout le monde s'est mis sur son 31. Une fois de plus, Camille Gottlieb a rivalisé d'élégance. En veste blazer à l'imprimé Vichy, blouse à col jabot assortie à un pantalon noir, la jeune femme a offert une énième leçon de style. Si la demi-sœur de Pauline Ducruet a capté tous les flashs des photographes, il en est de même pour Marie Ducruet. La future maman a dévoilé son adorable baby bump dans une longue robe noire vaporeuse. Cependant, une personne manquait à l'appel pour ces deux manifestations. Déjà absente lors du lancement de la 45e édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, le vendredi 20 janvier, Charlène de Monaco n'était pas présente à ce gala. Si ces derniers mois, la mère de Jacques et de Gabriella a multiplié les apparitions publiques après ses ennuis de santé, son absence a quelque peu surpris. Crédit photo, Nivière David à Bacca Press. Comme.